Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Stats, même pas mal. Chaîne où l'on va parler de statistiques. Vous n'avez jamais rien compris aux stats, vous avez des tonnes de données mais vous savez pas les faire parler. Vous en avez ras-le-bol d'être manipulé par des chiffres truqués dans des rapports bidons publiés par des politiciens véreux. Cette chaîne est faite pour vous. Sans plus attendre, la vidéo du jour, à quoi ça sert les stats? Décrire le monde. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? À quel point peut-on faire confiance à nos souvenirs? Souvenir, souvenir. C'est vachement important les souvenirs, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous construit. De temps en temps, c'est ce qui nous pourrit la vie, et de temps en temps, ça pourrit la vie des autres, parce que... J'en suis sûr, monsieur le juge. C'est lui, je l'ai vu sortir, un grand couteau à la main, il était complètement couvert de sang. Bref, les souvenirs, c'est hyper important. Catherine Braun étudie les souvenirs. Pour ça, elle demande à 160 personnes qui sont allées à Disneyland quand ils étaient petits de raconter leurs souvenirs. À la moitié d'entre eux, elle montre une publicité sur laquelle on voit Disneyland et Bugs Bunny. À l'autre moitié, elle montre rien du tout, on appelle ça le groupe contrôle. Ensuite, elle fait passer des entretiens. Et discrètement, à un moment, elle glisse la question « Est-ce que vous vous souvenez d'avoir serré la main à Bugs Bunny ?» Dans une première colonne, elle note si la personne a vu la publicité avant ou pas. Dans une deuxième colonne, elle note s'il se souvient avoir serré la main à Bugs Bunny. Voilà ce qu'elle obtient. Question ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Tic, tac, tic, tac. Ben rien. Ce tableau est trop grand pour l'esprit humain et on n'arrive pas à l'appréhender. Alors que si je fais un petit tableau résumé, d'un côté je note ceux qui ont vu la pub et qui se souviennent. J'obtiens 16%. De l'autre, je note ceux qui n'ont pas vu la pub et qui se souviennent, j'obtiens 7%. Sauf que Bugs Bunny, c'est un personnage de Warner Bros. Il a jamais mis les pieds à Disneyland. Tous ceux qui se souviennent de lui, c'est des faux souvenirs. Non, sérieusement, quand j'étais petit, vous m'avez serré la main à Disneyland. Non. Bah, j'ai horreur quand on me dit non. Et pourtant, je vous le jure, monsieur le juge, j'en suis sûr, j'ai serré la main à Bugs Bunny quand je suis allé à Disneyland. Ça fait un peu froid dans le dos. Dans pas mal de systèmes judiciaires, on se base sur les témoignages. Par exemple, en juillet 1984, Robert Cotton a été condamné à la prison à vie pour le viol de Jennifer Thompson. Il a été condamné suite au témoignage de la victime, et il s'est avéré 10 ans plus tard, suite à un test ADN, qu'il était innocent. Sauf que 10 ans de vie, ça fait un peu cher payer le faux souvenir. Retour aux stats et à leur utilité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a collecté des données. On a obtenu un tableau trop grand, incompréhensible pour l'esprit humain, et ensuite on l'a résumé et c'est là qu'on a vu des résultats super importants apparaître. C'est à ça que ça sert les stats. Les stats, ça résume des données trop vastes pour l'esprit humain en quelques nombres facilement interprétables. Ça permet aux statisticiens et à leurs amis, les médecins, les psychologues, les sociologues, les économistes, de mieux comprendre le monde et de mieux le décrire. Dans le cas présent, ça donne une petite intuition que si on veut un système judiciaire juste, il vaut mieux pas trop se baser sur les témoignages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je vous parlerai de bombes nucléaires, délinquance et réinsertion. Enfin, si vous connaissez des exemples d'études statistiques ludiques, étranges, loufoques, hors normes, déjantées, à contre-courant, éléphantesques, n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires, j'adore ça. Allô Manon? Ouais, c'est Chris, ouais. Dis, ça va? Dis, tu te souviens, on avait dit que si je postais une vidéo YouTube, ben, je pouvais t'inviter au resto. Ben, ça y est, c'est fait, j'ai posté ma vidéo. Non, mais, si, mais on avait dit que... Non, mais rappelle-toi, on avait dit, dès que je poste une vidéo, je peux t'inviter. Oh, mais non, mais... Mais non, mais je suis sûr que ça va te revenir, je suis sûr que tu vas te souvenir, tu vas voir. Hein? Allô? Allô, Manon? Allô? Allô, Laetitia? Vous pouvez faire confiance à votre mémoire, essayez de vous souvenir que vous avez trouvé une super chaîne qui parle de stats. Ou alors, vous pouvez vous abonner. C'est ici.